Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo découverte de Demolition Company. C'est un jeu qui a été développé par ceux qui ont fait Farming Simulator, donc ça va être un petit peu la même chose. Et donc nous allons découvrir ensemble la démo, parce que dans mon CD de Farming, il y avait la démo de Demolition Company, donc j'ai voulu en profiter. Et donc je vous la fais cette vidéo, donc voilà, je regarde un peu dans les options et les crédits, donc les crédits c'est la merde. Ouais, donc j'ai fait ma config, c'est comme ça. Les contrôles, il y en a 3 tonnes. Il y en a 3 tonnes, alors il y a plein de choses, donc on va voir ça, s'il y aura peut-être un tutoriel, un truc comme ça. Donc nous allons commencer l'émission et là je vois plein d'épingles avec un beau PDF, donc on va plutôt cliquer sur l'épingle verte. Vertigo, donc la démo n'est pas traduite, hein, désolé. Donc Your Next Step, voilà. Donc si vous voulez lire le truc, bah, mettez pause, hein, faites marcher aussi vous la traduction si vous ne savez pas faire. Donc voilà, donc on devra aussi démonter une station de police. Donc comme dirait le nom en fait du jeu, c'est en fait on va utiliser des engins pour détruire des bâtiments. Donc nous allons voir si c'est bien ou pas bien. Start. Donc comment on se déplace dans ce merdier? Donc on se déplace comme dans Farming Simulator, donc bon bah ça va. En fait je crois qu'on va pas être trop dépaysé. On zoome comme dans Farming, la vue c'est comme dans Farming. Bon bah ok, donc allons-y. Donc qu'est-ce que c'est? Bon bah ok, donc ça c'est ça je crois que c'est une tête, un truc comme ça. Donc comment on fait pour forer? Qu'est-ce que je fais là? Attends. Non. non, c'est pas grave. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il n'y a pas de tutoriel. Ça commence très très mal. Donc, je sais pas pourquoi il n'y a pas de tutoriel. Il faudrait qu'un jour il fasse un tutoriel. Parce qu'il y a des tonnes de commandes. Donc, on est obligé de se mater toutes les commandes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, activer le compresseur B-pressing R. Ok, il faut appuyer sur R pour voilà activer le marteau piqueur. Donc qu'est-ce qu'on doit détruire? Qu'est-ce qu'on va détruire en tous bousins? Hop, si je fais comme ça. Non. Pff, voilà, là je suis perdu. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je sais pas. Donc on peut diriger la barre comme ça pour casser en tous les sens. Si je fais ça, ça fait quoi? Attends, on va voir les indications. Ok, donc, il faut chercher en fait la station de police. Il est où le commissariat? Mais il est là le commissariat. Donc, voilà, donc c'est fait par les mêmes développeurs que Farming Simulator. Donc, désolé si le son est un peu trop fort, j'ai pas pu changer le son en fait. Désolé, donc c'est comme ça. Donc, hop, voilà. Ce qui est assez drôle, c'est que les murs tombent comme des murs de polystyrène en fait. Donc c'est un commissariat en polystyrène. Donc ils sont très ingénieux. Comme ça, on pourra détruire très facilement. Et comme on peut voir, il y a des petits fils, donc c'est du béton. Donc voilà. Donc on devra faire ça pendant tout le long du jeu. Chose qui va être un peu redondant, on va dire. Voilà. On est toujours en train de pivoter la tête là. Donc là, j'essaie de bien viser, attention. Alors non, on peut que casser les colonnes. On peut que casser les colonnes. Attendez, là il y a des morceaux qui s'effondrent là. Voilà. Hop, allez, détruis-moi ce merdier. Voilà. Donc, en bas à droite, on voit deux barres. Donc, c'est la barre, je crois, de réussite. Parce que vu qu'il y a une croix verte, je crois que c'est la barre de réussite. Hein. Et donc, ce bruit de compresseur là que je vois, ça fait un peu mal aux oreilles quand même.
Donc dans les options, j'ai regardé avant de commencer la vidéo, on peut pas changer le volume du son, donc ça c'est un peu dommage. Hop, allez. On casse un peu tout. Allez, cassons ça. Hop. Ce qui serait bien aussi, c'est de faire péter des bâtiments avec des explosifs. Ça a l'air très marrant. Ça a l'air très marrant parce que voilà, comme ça c'est un peu classique. Enfin, c'est un peu long. Donc si on pose un peu quelques explosifs, ça ira très bien. Bon ben, comme je vois là, j'ai déjà détruit un peu du bâtiment, on va dire. En fait, j'ai gardé cette vue parce que elle est très pratique. Ça visait en fait le marteau piqueur. Je veux dire, c'est un marteau piqueur parce que je peux quand même pas me compliquer la vie. Donc voilà. Hop. Je casse ce truc. Allez, hop. Hop là. Oui, donc pourquoi je fais ce jeu, donc enfin je fais pourquoi je fais ce jeu, parce que d'abord c'est les développeurs Farming Simulator qui l'ont fait, donc c'est déjà pas mal. Et attendez, j'essaie de casser le petit truc en polystyrène. Donc voilà, c'est parce que c'est fait par les développeurs de Farming, donc je sais que j'ai pas fait de Farming pendant un bon bout de temps, donc ça ferait un peu plaisir de voir un jeu un peu comme Farming, voilà. Enfin, digne. Aïe. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est des petits débris comme ça. Ok. Allez hop. Cassez-moi ça. Voilà. On va employer la méthode forte. Voilà. Et ça fait en fait du bien de voir un jeu qui est fait, voilà, par les mêmes personnes. Parce que voilà, ma chaîne est presque exclusivement faite de Farming, donc. Voilà, donc ça change un petit peu les autres jeux. Donc je vais essayer de tout casser. Bon bah c'est quand même un peu long en fait, on va dire, parce que alors on peut couper comme ça, on peut donner des coups de sabre. Hop, on descend un peu là et là. Enfin, c'est comme ça. Hop, allez, virons ça. Bon, attendez, j'ai un peu dézoomé parce que on peut pas beaucoup de... On peut pas trop dézoomer, donc on peut voir. Attendez, je vais montrer un peu le véhicule. Donc c'est un Rollo. Ça m'étonnerait que c'est une marque réelle, hein, parce que Rollo. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un truc. Je parie on devra amener nos débris dans ce truc, enfin dans ce broyeur qui va en fait faire des miettes. Donc voilà. En fait, ce jeu-là est plus inspiré de Farming Simulator 2009 que le 2011, parce que si vous regardez un peu l'interface en haut à gauche, attendez, voilà, ça fait un peu penser au 2009 au lieu du 2011. Donc voilà, attendez, j'ai un peu joué comme ça, on va voir comment ça fait. Merde, j'ai oublié d'allumer le compresseur, donc hop, hop là. Ils ont donné des petits coups, donc le moteur physique est toujours assez... Enfin, la physique du jeu est assez assez étrange, on va dire. Parce que voilà, des fois, ils peuvent faire des triples tonneaux, parce que... Enfin, je sais pas si ça va nous arriver de faire des tonneaux, mais bon. À cause d'un minuscule débris. Hop. Voilà. Allez, hop. Je commence à arracher le toit, là. Je trouve que ce jeu-là, il est, on peut se défouler dessus, donc hop, casser des bâtiments, voilà. Mais sauf que c'est un peu répétitif, on va dire, hop. Mais bon, c'est un peu, on va dire, c'est une simulation. Hein, donc, vous allez me dire, heureusement, hein, enfin, heureusement, on va dire, c'est évident que c'est redondant. Hop. Là, j'ai un minuscule trou, hop. Dans le mur de polystyrène, là, hop. Là. Bon, je vois que ma barre de réussite est déjà à moitié. Hop. C'est au moins de casser le toit. Donc, je vais peut-être casser ce pylône, là. Attendez, on va un peu savourer la vue intérieure. Qui est plutôt pas mal, hein. Attendez. Hop là, donc je passe. Donc mon marteau piqueur passe à travers le mur, hein, c'est très normal. Hein. Enfin, je vais pas trop critiquer le jeu, hein, de toute façon. C'est fait par les développeurs de Farming Simulator, et moi je les aime bien, donc voilà. Hop. Ah, il y a un truc en surbrillance, c'est quoi?
Eh, mais c'est des pièces détachées. Et à quoi ça sert? Attendez. En tout cas, je vois qu'on peut sprinter beaucoup plus vite que l'engin, donc utile pour se déplacer. Donc dehors, qu'est-ce qu'il y a? Presque rien. Donc on peut pas sortir, hein. Ah, attendez. Hé! Ah, on a un marteau-piqueur quand même. Attendez. Je sais pas si on peut enlever ça. Ah ouais, quand même. Ah tiens, je savais pas qu'on avait des... Hop là, vas-y, donne des coups. Le mec, il va casser un commissariat avec ça. Non, mais n'importe quoi. Vaut mieux ça. Voilà, ça c'est plus pratique. Ou même carrément ça, voilà. Ça c'est encore beaucoup plus pratique. Voilà, allez, go. Hop. Je vais vite finir cette mission, comme ça on va vite passer à l'autre. Et comme ça on va voir si on aura un nouveau bâtiment à casser ou si ce sera encore le même. Hop. Là. Là. On peut aussi... Ah ouais, on peut aussi... voilà. Comme vous le voyez en bas... Oh, attendez. Putain, je zoome. Voilà, donc si je clique en même temps sur les deux boutons de la souris, je peux contrôler la mine pelleteuse en fait qui va en fait pousser nos débris hors de notre chemin. Mais bon, ça c'est qu'un détail, je vais dire. Hop hop, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, 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 ouais. Enfin, en fait c'est un peu limité, hein. Bon, je trouve qu'avec le marteau piqueur c'est plus simple, mais c'est un peu plus long en fait. Hop, descend là, voilà. Bah, je trouve qu'en fait le marteau piqueur c'est encore plus simple, donc mais c'est beaucoup plus long en fait. Si je peux vous montrer le marteau piqueur, hein. Ça me dérange pas du tout. Je sais pas si on peut casser la base. On va voir si on peut casser la base. Non. Je crois qu'on peut pas casser la base. Oh là là, attention. Un morceau qui tangue là. Allez, attendez, je vais le faire péter. Voilà. Je vais carrément prendre ma pelleteuse. Là. Donc là, je crois que là le boost va s'arracher et peut-être que ma mission va s'achever. Là, hop. Là, voilà. Hop. Le toit maintenant. Hop. Voilà, vire-toi. Vire-toi, saloperie. Voilà. Attendez, pourquoi il va lentement en marche arrière? C'est pas possible. Ah, il avait un petit débris coincé. Voilà. Ah, donc, ma barre de réussite est bientôt pleine, attention. Hop, là, on arrache un peu tout. On arrache un peu tout, hop, là. Je crois en fait, j'ai trouvé la technique. Mission complète. Ok, mission complète. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, ouais, je vais... la mission, que ça on va vite passer à une autre. Non, mode. Attendez, on n'a qu'une de mission ou pas? Ah non, on en a deux. Ah, en fait c'est parce que j'ai sauté la première. Ok, donc start. Donc j'ai une mini excavatrice. Donc start. Start, voilà. Hop. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, en tout cas les temps de chargement sont assez rapides, donc ça fait un peu pla donc ça fait plaisir. Toujours avec son marteau tout pourri. Ah non, non, c'est pas lui à casser. C'est lui, je crois, à casser. Ou c'est lui. J'ai pas vu bien voir la photo en fait. Non, mais je crois même que c'est celui de devant. Vu mes talents. Hop, donc là. Là. Bon bah allez, go. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, pourquoi ça casse pas? Non, mais attendez, je revois la photo. Si, 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 c'est lui. Ah, mais peut-être qu'il faut se le farcir au marteau piqueur. Attendez, attendez. Je vais monter dans les escaliers. Ils disent... Voilà. Et il faudrait qu'en fait commencer du haut. Donc, magnifique machine à laver abandonnée. Je me demande en fait ce que ça fout là, une machine à laver. Normalement, ils ont pas dû déménager. Voilà, un canapé. On trouve de tout et n'importe quoi dans des motion company. Hein. Hop, donc
Voilà, je suis en haut. Ah, voilà. De toute façon, cette vidéo là elle va pas être trop longue hein, parce que si le jeu est comme ça tout le long ça va être un peu redondant. Attendez, j'ai carrément rentré à l'intérieur et j'ai un peu tout cassé. Voilà. Hop. Voilà, donc aller à l'intérieur c'est encore beaucoup plus pratique. Là, là. En fait, c'est des pièces de puzzle qui se barrent un à un, donc de toute façon on peut pas faire mieux hein. À part être surréaliste hein, mais... Allez toi aussi, allez hop. Donc là on a une magnifique vue, on a une magnifique vue de la ville, donc une magnifique pub aussi, mais elle n'existe pas donc je peux vous la montrer. Là aussi il y a une pub, et aussi j'avais vu des pubs sur les nouilles. Voilà, elle est là, la pub des nouilles. C'est ça, c'est marrant. Ah ben ah, ça casse quand même très vite ça. Vas-y hop, donne des coups de marteau. Ou en fait non, en fait je préfère mieux le marteau piqueur parce que c'est encore plus viril. Hop, c'est la virilité absolue. En fait à quoi ça là mon excavatrice? Ça c'est, je me demande pourquoi en fait j'ai pris une excavatrice alors qu'elle ne sert à rien. Bon, attendez, je vais prendre. Voilà. Hop là, on dirait du Minecraft. Hein. Voilà, on dirait Minecraft. Hein. C'est pas une pioche, là c'est un marteau. Hein. Là, ils ont trouvé une belle excuse du plagiat. Hein. Non, je déconne. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, les débris, elles se détachent pas. Là, ils se désintègrent complètement. Donc, ça m'évitera en fait de faire le ménage après. Hop. Lui. Deux fois une. Bon, moi après je pensais que c'était un peu de la merde hein. Donc le marteau je pensais il fallait donner, ah, non je... merde, je suis tombé, je pensais il fallait donner 3000 coups pour qu'il tombe, mais non en fait ce n'est que 2 coups. Bon bah hein. On peut pas tout savoir du premier coup, j'ai envie de dire. Attendez, ah non, je pensais que c'était encore des pièces détachées, mais sérieux, à quoi ça sert les pièces détachées? Je pense que ça c'est, je me demande comment, enfin, pourquoi ils ont mis ça, les pièces détachées. Je peux être trouve les pièces détachées dans tout le chantier et tu auras le droit à un succès. Hop. Bon, je crois même que ça va être cul en fait le haut ça parce que si on doit sortir tout l'immeuble comme ça, non moi je suis pas d'accord. Bon, tu vas te casser, oui. Oh, mais ça me gonfle ça. Allez hop, dégagez. Dégagez. Et dégagez. Voilà. Maintenant, laissez-moi tranquille. Hop. Bon, j'aurai bientôt fini là. Là est déjà à moitié ma barre de réussite. Hop. Donc je vous donne une petite info, donc cette vidéo là je la tourne juste après la vidéo événement des 100 abonnés, donc, des 90 100 abonnés, donc ne soyez pas trop surpris. Pour l'instant ça va, pour l'instant j'ai eu des noms de musique hein. Je vais vous les montrer juste après, enfin je vais vous les montrer plus tard, mais il me faut un peu plus de musique parce que faire juste une ou deux musiques par épisode, donc ça fait un peu léger, j'ai envie de dire. Là pourquoi ça se casse pas là? Ah ça se casse. Ah mais pas dire qu'il faut pas qu'il tombe parce que regardez, voilà, j'ai une barre d'échec là. Et s'il tombe, je crois même, bah c'est foutu. Hein. Donc il faudra en fait que j'aille ici et que je pète depuis l'extérieur. Oula, ah ouais, ça commence à tanguer là, attendez. Hop, si je casse toutes les bases, le truc va s'effondrer. Voilà, mission complete. En fait, on peut aller encore plus vite en découpant toutes les bases. Hein. Voilà,
Yes. Et là, j'ai pas le droit d'y aller. Bon bah, j'ai pas envie de refaire ça parce que c'est un peu redondant. Donc, back. Mission, non. Là, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Bon, ok. Donc, c'est sur ce moment qu'on va se quitter. Farming Simulator, ça va bientôt reprendre. Donc, ne soyez pas. Ne criez pas au scandale. Donc, ça va reprendre. Il faut juste être un peu patient. Et donc, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Et que moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Allez, à plus!